Welcome to SFV News <laughs> people. Like, share. <laughs> I'm on the street, baby. <laughs> Welcome back to SFV News, guys. The gang is here. LJ, Kaza, Mizogod, and Spenty. Today, we're going to focus on the NBA, NBA playoffs. Euh, J'ai des excuses à faire, je vais les faire durant le show, je vais les faire dès le début. Ok, je sais que vous êtes ah, pour... tu peux faire des excuses dès le début. Ok, okay first of all, je m'excuse aux Pacers fans et aux Denver fans d'avoir dit que les Pacers allaient faire sweep par les Knicks et puis que les Temerals allaient sweep Denver. Denver, comme Isoga l'a dit, est le heart of a champion. You can never count them out, surtout le MVP Joker qui donne des MVP performance. J'avais dit la même chose. Là, tout Excuse moi aussi. M'excuse Je M'excuse Affreyman. M'excuse Affreyman. M'excuse Je M'excuse Kaza pour avoir fait <laughs> cette erreur-là. C'est bon avoir dit ça. J'achète, <laughs> ça. Anyway, bon, on va commencer le sujet l'Ekeu Storyline. Euh, Lakers. Je pense... Laker Storyline. On va dans les games, on va commencer avec les gossip. Right? Les big gossip. <laughs> moi, je pense que le script est en train d'arriver faire... présentement. Le... Le... C'est ça, intéressant. <rire> le <rire> script est en train d'arriver. déjà, on qui a... vient. Il y a eu un podcast qui s'est fait avec LeBron et JJ Reddick. Quelques mois après, Darwin Jambon se fait renvoyer. Quelques semaines après, JJ Reddick est dans un est dans un, peu un combat, mais il reçoit une offre avec 12 personnes pour être le head coach des Lakers. Il est candidat pour le Les head candidat. coaching spot. Top one. Number one. Est-ce que vous êtes surpris? Il est dans le top 3. Je ne sais pas si est number 1. Il est number 1. Okay. Moi, je veux dire, top 3, il okay. est number three. C'est le point à déjà choisi. Exactement. <laughs> so, je veux dire, est-ce vous êtes surpris? Moi, je veux dire, non. Euh, on sait tous que LeBron a beaucoup de poules dans la ligue. LeBron, c'est encore la face de la NBA. Donc, on s'entend qu'il y a encore beaucoup de poules dans la NBA. Euh, les gens viennent voir LeBron, viennent voir jouer. Par tout ce qu'il bat, les stades sont remplis. Il est LeBron James. All Donc, right? so, moi, je pense que tout ça a été calculé. Et je ne serais pas surpris si Bernie James. Le draft par les Lakers cette année, et c'est J.J. Reddick qui coach les Lakers. Je pense ça? même pas les Lakers ont un big pot. Ouais, c'est la dernière année qu'ils ont des drafts. Voilà. C'est ça? Est-ce Est que t'es surpris ou non? Euh, non, je suis pas surpris parce que Ginny Boss va faire tout son pouvoir pour garder les Brand James content. Même si ça veut dire mettre Eddie dehors, draft Brownie qui va les amener nulle part. Hum? Ayer, J.J. Reddick, le, le co-host de les James dans son podcast. Et pas dans hors de l'impossibilité, donc ça me surprend absolument pas. Je euh, Moi, je suis surpris euh, pour JJ euh, Reddick. C'est un gars qui a, il a joué avec les gars. Euh, il y a un podcast. Il est dans les dans les médias avec ESPN. Comme il est entre un roast les gars quand il faut les roast. Euh, comme major conflit et d'intérêt. Il comme il fait déjà le podcast avec le euh, Là, quand c'est LeBron et J.J. Reddick versus euh, la team, yeah. euh, c'est toujours bizarre. Euh... On va parler de leur histoire. On a gagné contre les Mavs. What happened? <laughs> non. En plus, il n'y a jamais comme head coach. Il n'y a jamais euh, general manager. Il a joué, il voilà. est allé dans les médias Puis il n'y a comme aucun genre... C'est vrai. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dans son résumé pour qu'il soit le top dans les top candidates. Je ne dis pas qu'il ne peut le pas problème. être un bon coach. Je <laughs> sais qu'il y a le bon dans, réfé dans ses références. C'est un bon point, mais euh, ni Steve Nash ou... Euh... Steve Kerr ou Justin Kidd avaient une ouais, expérience. Steve Nash a foiré. Steve Kerr a foiré la première fois. Justin Kidd. Uh... Uh, Justin Kidd? Justin, ouais, Justin Kidd. Kidd. Justin Kidd a foiré la première fois avec Milwaukee. Puis euh, Steve Kerr, on sait tous que l'équipe qui est là, qui là je pense qu'elle peut se coacher tout seul. Ouais, ouais. c'est vrai. Minty? Ouais. Euh, comme Nikki a dit, JJ Reddick n'a pas d'expérience en tant que primary head coach dans la NBA. Euh, c'est vraiment far est-ce que je vois qu'il n'est pas far et plus Brownie's fire draft plus? Si, LeBron James. Je pense pas que J.J. Reddick va être le head. Et, et là, il y a un no storyline. Moi, je ne sais pas pourquoi il voudrait prendre ce, ce pressure-là comme job. Comme tu fait ce job. Ah oui, je veux je full pressure, gagner le championship, LeBron James, fin de carrière. Ce n'est pas la team que je choisirais moi pour commencer ma carrière de coach. Je suis d'accord avec toi, mais tu vois dans leur podcast, LeBron et JJ pensent quasiment de la même manière. Je pense que euh, LeBron respecte JJ pour son basketball IQ. Oui, il y aura des bips sur sideline quand les deux auront un différent field, mais je pense qu'à cause qu'il respecte, il veut que ce soit lui. Pour parler à Darwin Jambon, clairement, on a vu des vidéos que. LeBron rentre dans l'arôle, Derwin parle, il dit c'est correct, je draft le play, il prend le balle dans les mains de Derwin, puis il commence à draft <coughs> le play. Clairement, il ne respectait pas Darwin pour ses tics durant certains matchs. Je pense que c'est pour ça qu'il va mettre JJ. Et il y aura plus aussi de manière de contrôler la team. L'autre storyline aussi, qu'on peut faire un take là-dessus, euh, on a vu LeBron dans la game des Cavaliers. Les rumeurs, mais les rumeurs. Est-ce que vous pensez que LeBron euh, va se faire draft par Cleveland finalement, et LeBron va aller à Cleveland? Mais, uh, Spenty? Euh, après son draft, son combine, Je arise, dire que draft, il va se faire draft parce que n'importe qui qui draft Ronnie va avoir son père, mm -hmm. mais euh, même pas des high hopes, valuable. For now, so euh, Bon moi quand j'ai vu ça j'ai pensé euh, à quand il était à avec Miami avant qu'il quitte en mm -hmm. Miami. Il y avait eu une game comme ça où il était allé voir, euh, oui. il était allé voir une game de Cleveland, puis l'année oui. d'après, ben, dans le fond, ce même off-season-là, il a changé d'équipe. Donc euh, so, je pense que comme LeBron ne fait jamais rien pour rien, tous ses moves sont, Calculé. sont calculés. C'est rare que je vois LeBron durant les playoffs, comme juste être un une autre game tout court, là, comme si ce peut-être pas le final. Ou comme, tu vas le voir au Super Bowl, aller voir des games de football, mais c'est rare que tu vas le voir voir une autre team jouer au basket. So, euh, non, euh, c moi je trouve que c'est vraiment fichier. Euh, Puis pour le Brownie, je sais pas s'il va se rendre. Moi je vois le, le combat, il est de push Brownie comme si. Mais même l'immédiat. Il a fini avec 19 en 24 dans le shoot, le deuxième, comme le meilleurs shoot. Je regardais sa jump shot, c'est vraiment slow. À dans une mm -hmm. game, il se fait bloquer comme la moitié de ses shots là. Et le Dancic a une slow release aussi. Non, c'est pas slow comme ça. Le, 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 comme. Oh, vraiment qu'il met vraiment l'en face sur faire bien les drills mais c'est ce qu'il joue pas à un game speed um, so, mm. je pense quelqu'un va drive brownie je mais je, je serais pas surpris que genre il réussisse à descendre dans les fins de comme, comme dans le bottom du du first round, genre. et euh, non le brownie il, il, il est en train d'ouvrir toutes ses portes il met tous les options oui. là comme so, oui. si tu fais pas ce qu'il veut il's out ouais exactement Yaza euh... Non, je ne pense pas que LeBron va retourner à Cleveland. Je ne pense pas que LeBron va retourner à Cleveland. Je ne pense pas que LeBron va se faire draft. Je pense qu'il va aller en drafted. En euh, drafted. C'est fucked up. Moi, je pense que tous les médias, tout le plan marketing a été fait par LeBron. Il va se faire draft. Je pense que Cleveland, je ne sais pas, il est où dans la liste euh, des, des, des draft picks. Mais je pense qu'il a fait exprès d'aller là parce qu'il pense peut-être pense qu'il y a de l'influence aussi à Cleveland. Donc, si Cleveland est comme 10e ou 12e ou 15e, whatever. Je pense que si. Non, les, il est plus que 15e. Il est plus que, bon, est ça. Donc, si. Puis tout le monde le sait, comme, as, comme vous comme avez dit, dès que tu drafts brony tu drafts LeBron. LeBron avait encore 28 points. Il dit qu'il y a encore deux ans physiquement, deux ans qui peut donner autant de points dans une dans une dans, dans des games, dans mm. une carrière dans sa carrière. Donc, so, je pense que les gens voient ça. Ils disent OK, brony est un bon pick. Bref, voici mon tick là-dessus. Je pense que ça va arriver. Je pense que si Cleveland draft Brownie, LeBron est back à Cleveland. L'autre chose, Atlanta Hawks a eu le first overall pick. Euh, quels sont les plans pour les Hawks avec ce point lorsqu'ils n'ont pas le contrôle de leur, première, de leur premier choix des de prochaines années? Oh, Ils vont aller pour quel choix, vous pensez? Hein? Euh, je pense qu'ils devraient aller pour un centre. Ils ont déjà investi beaucoup dans des guards. C'est de John Timmery, Trey Young. Je pense qu'ils au niveau du front court. Euh, je suis d'accord avec toi. Trae Young s'en va sa dernière année, si je ne me trompe pas. Ouais, euh, il parle plus de le trade. Il y a il encore une petite tendance au contrat. Moi, je pense que tu as raison. Je pense qu'il va être dans le les big comme uh, da, uh, Washington. Je pense qu'ils vont faire le même genre de stratégie. Ils vont aller prendre un big puis ils vont échanger de le pour un autre big. avoir du 16 puis garder des jetons. Okay. Ça va être comme un genre de tall Ball pourrait bien fonctionner. Menti euh, Moi, je suis juste déçu que la pire de la NBA pour les trois dernières années, il a pas été first overall. Euh, Detroit? Detroit? Ouais, Moi, je suis content. Ben non, mais je… je <laughs> Comment t'es content? Ça exprès. Ok, c'est bon. Bruh. La oh. probabilité qu'il gagne le first overall pick, les, les derniers, c'est quand même high. Ça fait trois années de suite que ça n'arrive pas. Bad ouais. for Detroit. ATL a une chance d'avoir un, un, un first overall pick, mais on, on m'a dit que le, le draft pick cette année, il n'est est pas wow. Il est pas wow. Non. Donc, ça se peut qu'il bail out, puis trade down. Il y, a un big, il y a un big qui sort d'une équipe. Lui euh... en France, ça. Oui. Ouais. 7 pieds, 7 pieds 1. 7 pieds 1. Overhype. Je pense qu'il vient faire du 1B. <laughs> Et Zach Eddy aussi qui ressemble à 1B. Puis les deux sont non, là. Zach Eddy n'est pas, pas mobile comme ça. Euh, Zach Eddy est juste grand. Il n'est pas mobile. Il n'y a pas de shot. Bradley. il bradley qui prend... domine le paint Est-ce qu'il prend le rebond? rebond. Il bloque. ça all you need. That's so all you need. That's yeah, so all you do right now. Yeah, that's so all you need. De, 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 uh, les Hawks, n'ont pas de la misère à marquer des points. Ils ont la misère à défendre, prendre des rebonds. Euh, moi, si je suis les Hawks, je trade... Euh, J'essaie de récupérer les picks que j'ai donnés en, en faisant le trade pour euh, John Timuré. Hum? Euh, je pense que la team a probablement atteint son ceiling quand soit en Conference Final. Je ne les vois pas retourner en Conference Final en, juste en faisant un pick cette année puis en n'ayant pas de draft les autres années. Hum? so moi je suis du cap on trade très Tu prends, tu essaies d'avoir trois first round pick dans les, dans les années futures, soit tu restock tes, 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 tes premiers choix. Puis tu fais, euh, tu as déjà été mûré comme point guard, tu drafts le center, tu trade aussi Capella, et euh, tu peux rebuild ta team. Comme ça, pour avoir, au moins recommencer à, à zéro That's a good shout. Hmm? That's a good shout. Alright, on va aller avec les games. Knicks versus Pacers. Kaza, prépare-toi. Euh, encore une fois, gros set pour moi, j'avais dit qu'ils se faisaient sweep, PSU est revenu. Euh, la deuxième game, game ils ont eu, il y a eu un massacre de la part des PSU, 112 à 80 quelque chose, c'était un massacre. On a perdu par contre, euh, 32 points, ouais. Voilà. Euh, <laughs> donc, euh, pourquoi les Knicks ont perdu les deux games, Kaza honnête avec toi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas regardé la game, mais j'ai regardé le stat sheet. Divincenzo, 7 points. Josh Hart, 2 points. Jalen Brunson, 18 points. On n'a pas mis les, les points sur le board. Et puis, c'est pour ça qu'on s'est fait écraser par euh, Ali Burton et les Pacers. Ah, tu parles de la dernière game. La, dernière la game d'avant, uh, c'est une game tight quand même. Euh, je trouve que euh, on l'a dit, je vais le voter un peu, les gars. La, on on l'a dit tantôt, off-camera, les gars sont fatigués. Les gars sont fatigués. la dernière épisode, le, euh, Spenty l'a dit, le bench des paceuses est beaucoup plus que du chien, est, il est là, il est nous accompagner. Mmh. <laughs> Donc, ça pour dire que euh, le bench des pisseuses euh, sont, sont plus présents que le bench des Knicks. Puis, ça se voit, c'est vraiment vu la dernière game. Parce que le bench des Knicks ne peuvent rien faire, les gars, ont de l'énergie. Et ça l'a mené aux 32 points de déficit. Parce qu'Alebuton, à pas dédler comme ça, c'est l'équipe au complet, c'est le bench. Euh, Musogod euh, Pour la première game, Alley Burton est venu, je pense, ça a fait 35 points. Mm -hmm. Dans cette game-là, il a compris que parce qu'on l'avait joué, qu'il ouais. fallait qu'il shoote. Il est venu take le lead euh, pour la team, puis il a réussi, il a réussi à, à, à comme, close out la game. La game était tight. Euh, ils, je pense qu'ils ont commencé avec un lead comme à chaque game. Les Knicks sont revenus, puis les, les Hawks ont, euh, les Hawks. Les Pacers ont essayé à, à finir la game. Pour la deuxième game, c'était juste la fatigue. C'est comme j'avais déjà vu ça venir qu'ils allaient comme lâcher une game. Euh, parce que Thibodeau les fait jouer beaucoup de minutes, ils ont des injuries, mm -hmm. et comme, à la, déjà à la base, ils ont un short rotation, et juste, puis cette game-là était, je pense que c'était 3h euh, laprès midi là, comme déjà, en plus que tu n'as pas ton full, euh, sleep, le reste, c'était rest, en temps de journée, donc les gars se sont juste fait, ils sont arrivés, puis c'était off tout de suite, mm -hmm. je pense que Josh n'a même pas joué comme la, une bonne, la moitié de la game, tellement genre, ils étaient out of, out of it, so. mm -hmm. la deuxième game, je trouve, c'est purement... C'est pas mon fatigue. Euh, Je pense qu'ils peuvent bounce back de ce qui est arrivé dans la dernière game. Euh, les games du samedi-dimanche, les early games, ben en fait, les deux games sont plus tôt parce qu'ils font ça midday. Mm -hmm. euh, ça donne genre 6 heures de moins de rest à genre tous les joueurs. Donc, oui, tout le, monde, tout le monde était fatigué. Euh, it's playoff time, c'est pas une excuse. Et... Si tu es blessé, tu peux pas jouer, tu peux pas jouer. Mais si tu es fatigué, we don't give a fuck. You play, that's it, that's all. That's all. Je, je peux pas aller hors sujet, but this thing, plus que les années avancent, no disrespect aux younger generation, no disrespect, it is a different game right now. Mais le softness prend trop de, de, de place, comme un service Là, on va dans la softness era, mm -hmm. puis le, le toughness va revenir bientôt, dans peut-être 10 ans là, ou 15 ans, parce que là, c'est trop, là, tu es fatigué. Va ben jouer? Non, mais c'est pas qu'ils sont pas venus. non Ils le, ont joué. Le, le standard descend. De... Comment on bench like 0 points? Mais le bench de Nix est trash. Comment? Ils ont qui sous le bench? Comment? Le bench de Nix est trash. Le, be oui. le, je, oh, le bench de Nix est bon quand toute la line-up est là. Mais le bench comment? de Nix est trash. C'est qui le bench? C'est qu qui le bench? c'est qui le bench? Excellente question. <laughs> c'est 12 McBride, Jericho Sims. Euh, ah, mais Grady Barton a joué une game. Okay, il, donc, a joué une game donc, exact. il a joué une game oh, seulement. Merci. Il a joué une game contre les, les, les 76ers. Il a hit ah, genre 4-3. J'ai oublié de dire on n'avait pas Odi Anunobi. Ah, et okay, puis son, son pic son de faire des points, c'est genre 9. 10. C'est vrai. Okay, c'est comme... Crucio, comme point. Non, pas Crucio, comme pas point. Crucio, ouais. pas, comme, ouais. Ça, ouais. comme ça. Ouais, il aurait gagné avec les 9 points. Non, parce qu'il va te faire 10... Il va te faire euh, 10 une game, puis après pendant 3 games, il va te faire 2. Combien de minutes de jeu, d'eau ah, c'est pas important uh, c'est pas important c'est comme l'affaire c'est que on peut pas compter sur toi parce que si, logiquement ils ont, les gars auraient eu des gars comme euh, Diffusion Jou à la base au début de la saison il était off the bench euh, t'aurais Bogdanovich off the bench qui jouait bien au début euh, dans la série contre 76ers t'as Alex Burke que lui là on l'a laissé jouer il, il est venu faire des stats parce que Thibodeau aime pas ça jouer les gars comme quand il est dans avec toi il va jouer avec les gars qui trust le moment qu'il trust pas il te fait pas jouer même si tu peux être un gars qui peut get bucket. Je suis même pas sûr qu'il y ait un scheme stratégique avec le bench. Non, il y, y a juste des schemes quand le, le Stellan est là, quand les bench sont là, c'est juste Moi jusqu'à poser. Mais sure il y a, pas assez point, il y a pas beaucoup de points qui rentrent. man rotation. Moi man. je comprends que Josh Hart est genre comme, il joue beaucoup du cœur, il fait les tough minutes, mais je comprends jamais pourquoi il joue 48 minutes. tu peux vraiment le reste ça c'est pas nécessaire. Tu peux vraiment le reste 5 minutes comme par par car, 100%. C'est vrai. Uh, next question, comment avez-vous trouvé la performance qu'on Liberton, vu qu'on a, qu a dit que <laughs> le dernier épisode était la 10 Est-ce qu'il vous trouvez qu'il a step up et uh, qu'il qu joue à un bon niveau selon vous ou non uh, Moi, je veux dire que les deux dernières games, uh, sont si on fait un average, 50, 54 points de game, je pense que c'est quand même bon. Uh, je pense qu'il a compris et il commence à améliorer. Spenty, vu que toi, tu l'as 10 aussi. Tu euh, vas devoir me donner plus que deux games comme ça pour que je te remets dans le, dans le beau côté du bateau. Okay. Pour l'instant, t'es encore en arrière. D'accord. Euh, au moins, il y a, comme il y a cette pas pour ces -ce deux, deux prochaines deux games là, euh, il a compris qu'il ne peut pas être là à shooter genre quatre shots dans, dans la game. Euh, il ne peut pas faire du 4 en 7 puis espérer gagner la game quand tes gars ne fonctionnent pas. T'es le leader de la team. T'aimes ça parler caca quand tu wins. Puis so, tu ne peux pas disappear parce que tu n'as tu, pas le lead. Là, comme là, ce que j'aime pas avec lui, c'est il, il fait ses points et il gagne. Mais quand, quand c'est tough et il perd par beaucoup de points, tu lui dis so, Là, moi, je veux voir qu ce qui arrive si euh, les Knicks commencent puis les Knicks gagnent par 15. Est-ce que comme il va prendre va le C'est ça. Est-ce qu'il va step up et il va carry sa team ou il, il va espérer que si Siakam l'amène Je comprends. Euh, prédiction. De côté, prédiction de l'heure de la série. Là, c'est 2-2. Bon, je suis encore avec les Knicks. En complet La Mi 6, je pense, je ouais. me rappelle bien. La Mi 6. Euh, moi, j'ai les Knicks qui gagnent les deux prochaines games. C'est ça aussi Ouais, les Knicks gagnent aujourd'hui. Ils vont avoir un, un extra, extra day of rest pour la prochaine game. Puis je pense que Indiana c'est là que le fait que c'est leur première playoff en, en ensemble, en, et quand ils vont être à 3-2, elimination game, ils vont probablement être plus stressés. Puis ils vont sur Burns. C'est ça euh, Dans le dernier épisode, j'avais dit Knicks en 5. Clairement, j'avais tort. Je retourne à mon premier take de Nick 106. Parfait. Euh. Nick 106. Euh, bon. Euh, Timberwolf versus Nuggets. Pourquoi c'est rien? <rire> je me suis déjà excusé. Je suis déjà excusé. C'est juste drôle, juste drôle. Est-ce que. Est-ce que tu es. ce que tu es, es surpris de la série? Absolument pas. Comme je l'ai dit à toutes les personnes qui ont des paris avec moi dans les DM, tu, euh... <laughs> Denver gagne les quatre prochaines games. Les deux prochaines games. Ils ont déjà gagné deux, ils gagnent les deux prochaines. Tu veux son nom La personne à qui tu dois de l'argent. Il n'y a personne à qui tu dois de l'argent. <laughs> Au moins. Euh, moi, euh, je suis tout à fait surpris de ce qui se passe. L'OQ est en train de me faire réévaluer euh, ses skills. Euh, à quel point c'est un bon joueur de basket. <laughs> euh, la manière qu'il monte, la manière qu'il joue, la manière qu'il monte le ballon, qu'il qu contrôle le terrain. En étant un big, that's impressive. Impressive. Son basketball IQ, pour moi, est, uh, il m'a surpris. I'm not j'étais surpris. Donc, je veux quand même dire Emma mais là, je veux dire en 7. Parce que je les respecte maintenant. Bisogod? <laughs> <coughs> euh, moi, je pense que c'est. Peu importe, je pensais que c'était une série qui va en 7. So je, aller... je vais aller avec Denver, mais je continue à dire euh, en 7. Même quand j'ai eu. Un peu peur quand j'ai vu le 2-0. Le mmh, toi, euh, on a eu peur. Pas moi. Non. n'a pas lui. Voilà. lui <rire> <voilà>. <rire> je me suis dit, je me suis dit, je voyais Denver gagner une game. Je, 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 je sais pas sûr qu'il pouvait gagner les deux. Mmh. Euh, mais non, euh, il fallait juste que Jokic soit plus agressif. Il était un peu trop passif dans les deux premières games. Euh, Murray, il est venu jouer une bonne game. Il y a eu un bon stretch. Dans la dernière game, de, après qu'il a fait le half we'll shot, we'll euh, il est revenu du half puis je pense qu'il a fait 8 straight points avec toutes des crazy shots. Là. Mais euh, il a mis son game breaker là, quand on joue à s'appelle, NBA Volume 2. We'll <laughs> euh, mais non, euh, je ne suis pas surpris parce que es les champions, tu ne peux pas les. Champions plus de MVP, mm -hmm. tu ne peux pas juste les bounce out sans qu'ils check a fight. Euh, mais ouais, non, six, euh, moi je vais en 7 euh, Denver. Niki a dit le mot magique. Je voulais, voulais t'entendre dire euh, tes excuses par rapport à ton MVP. Bon, je pas rendu là encore. Non, tu pas encore rendu là. Il t'a dit qu'il t'a prouvé pourquoi. Il était MVP. Ah, hein? Et il n'a pas encore montré que c'était sa passion. <rire> <rire> il est juste bon au basket. Right? Juste. Juste bon. Il a humilié ton king. Anyways, anyways. Euh, <laughs> tout ça pour dire que j'étais surpris que les Nuggets perdent tout de suite à la maison. Mais je ne suis pas surpris qu'il ait battu et Timberwolves deux fois away. Euh, Jokic est juste meilleur que tout le monde. Et tu le vois. Mm -hmm. Même avec Kat et Gober dans le paint, en train de défendre, le gars sait tout le temps quoi faire avec le ballon. Tout le temps. Il faut qu'il out, il lance un three, il faut qu'il step back shot, il faut qu'il hook shot sur quelqu'un. Il, il sait quoi faire dans toutes les situations. Il se trompe tellement rarement. That's why he's the MVP. Well said. Bon, euh, comme tu as dit, euh, Joker est en train de cook Rudy Gobert et Kat. Et non seulement il se fait. Donc Kat ne sert à rien offensivement, ben, défensivement, mais il ne sert à rien aussi offensivement. Il donne des vieilles performances, c'est l'une des raisons pourquoi ils perdent leur game. Mm -hmm. euh, Est-ce que Kat peut revenir ou Hitman doit faire du Kobe Bryant, puis juste passe le ballon, il prend toutes les chances bon, Ça, il fait déjà. Tu ne veux pas ça Oui, il, il fait il, ça. Il fait ça, mais pas tant que ça. Non, il fait il plus peut, il peut être pire que ça. Euh, non, mais je parle de. Endman euh, est déjà en mode. Euh, Kobe, juste comme il passe pas la balle. C'est Il y a la balle, one on one. Il fait un petit step back. Le gars, le gars avance, il coupe au panier. Donc, Puis si le gars avance pas, Il shoot 3 points. C'est purement ça. Comme... Mais t'entends, il roule le ballon. Il fait ça en au 4ème quart. Au 4ème quart, il fait juste ça. Non, non. Je te le dis. Je, je... Je... je te le dis, il fait ça au 4... a... 4ème quart. Fait... Je te crois. Dans les deux premières games, il s'est il a... il permis d'ouvrir le ballon vu qu'il mm -hmm. gagnait. Mais le moment qu'ils ont été en, en déficit. Ouais il était genre c'est comme c'est lui qui fait les points c'est lui qui fait... parce qu'il a déjà vu que euh, Kat est off le, la game dans, mm -hmm. ses, dans la dernière game 4 <laughs> ça va rien du ouais. euh, Cooper ça rien mais qui ça rien le ma, seul ma, qui ma ca... trop, est trop de faute est trop de faute le début de la game ouais mais c'est le seul qui avait scoré sur moi il défend il, defend, il puis, sert à quelque chose bah, ouais. puis Naswud est off the bench puis a le coach le jouait pas vraiment quand il avait bien commencé le first um, so, c'est vraiment sur les bras de Edwards, là, c'est est-ce que quelqu'un peut venir l'aider ouais. Moi, je pense que Edwards, peut-être, devrait justement plus faire de playmaking euh, avec d'autres gars pour, pour. On double team pas, et c'est le problème. Non, je sais, parce que justement. C'est ça est fou. Justement, parce que s'il si fait 40 points, mais tu shut down tous les autres, <laughs> tu, gagne. <rire> tu <rire> gagnes. Tu gagnes. Tu comprends Parce que un, pour moi, Jokic, il y a un weakness. C'est pas un bon defender. Mais comme son plus weakness que les gens ne calculent pas vraiment, c'est que. Il saute pas haut, il est facile de genre dans un pick and roll. Là, tu peux faire un loop sur la tête, tu peux, le oui, faire... tu peux lancer le loop à Gobert, mais tu vas jamais voir ant faire un, un pick and roll avec Gobert. Et <laughs> 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 c'est one on one jump drive, puis donc les c'est tout. Puis Jokic lui, il va juste tasser, il va laisser un marquer euh, Mais je pense qu'il serait, il devrait trouver une façon de faire des combinaisons avec 4 comme ant et 4 contre Jokic euh, ou Naz, ou ouais, Naz, oui, justement. Euh, puis c'est pour ça que dans la game 2, quand il n'y avait pas Gobert. Il n'a pas de coups. Il n'a pas parce que Laz, comparé à fucking Gobert, quand il baseline, il va donc sur toi. Ouais, ou même juste pick and pop. Like comme Exactement. Tu so uh, ouais. Fucking Gobert. Kaza? Euh, répète. Euh, est-ce que... Bah, je, je, refais, je refais la question. Est-ce que... Comme euh, Misogod a bien expliqué ça. Est-ce qu'il y a un joueur qui peut step up ou est-ce que même de faire tout, tout seul, faire du Kobe Bryant Ben, ouais. comme Misogod a dit, ant fait déjà du Dwayne Wade parce il est du niveau <laughs> oui. de Kobe Bryant. D'accord. Bryan. Euh, il va au panier comme il veut, comme s'il si, a fait des full dunks, il a fait des full, full plays où il, il go hard in the pain, comme on dit. Mm -hmm. Il shoot comme il veut. Donc, tu ne pense pas que tu peux contain un gars comme ça. Tu vas, il va go off, peu importe ce que tu fais défensivement, mais tu vas juste dans le reste de la team. Et puis, il faut crash le board. Parce que malgré le fait que les gars sont ineptes offensivement, ils prennent des rebonds, comme si j'ai vu quatre offensive rebounds sur une possession, c'est inacceptable de la part de Denver. On, on contrôle ça, le reste de la série est à nous. C'est une des manières, c'est une des raisons pourquoi les Knicks ont perdu, by the way. Une des teams qui qui go hard le plus dans le paint puis qui ramasse plus de rebounds se sont fait out rebound par les Pacers. Euh, Gobert fait juste sa job. En fait, je ne veux, veux même pas dire qu'il ne fait, fait pas sa job. Il fait rien, tout le il fait. Il s'est cook. Il est censé être Defensive Player of the Year. Mm. Il se fait cook en defense. Mm -hmm. Offensively, tu ne à rien. Non. Donc, so, rendu là, tu as bien mal. Putain, Nazi, Nazi. Ils ne vont yeah. jamais yeah. faire ça. ils vont jamais faire ça. Ils vont faire ça, oh. genre, tôt tard. Oui, c'est ça le problème. Il, il paye trop d'argent. Euh, c'est ça, c'est purement orgueil. Le gars, quatre 4, 4 fois <laughs> Defensive Player of the Year. Il euh, y a un contrat le, de le, 200 le, millions. C'est le trophée le plus frauduleux que j'ai jamais <laughs> vu. Jokic le cook toute la game. Double avec 4 Gobert, t'es pas capable de stop un gars. c'est insane. Il n'y a euh, pas ouais. d'athlétisme. J'écoutais la game. <laughs> J'écoutais la game chez nous. Puis chaque fois que je voyais Djokic avec le ballon, je criais food. <rire> <rire> dès dès qu'il qu y a Gobert, c'est ça qu'il pense. Là. Food. Parce que yo, Jokic, non seulement il bruit Gobert parce qu'il est trop gros, mm -hmm. j'ai vu que Jokic est plus quick que Gobert. Ils seront au panier avant Gobert. Oui. So, je suis comme, ben là, qu'est-ce que tu peux faire? J'aurais cru que Gobert serait au moins athlétiquement plus fit que Djokic. Non. Que non. Tu ne le bats même pas dans ce département-là. Tu vas faire quoi? Puis en plus, dès qu'il fait pomper et que tu sautes, il fait la passe. fini délégué. Ouais. So, euh, non, euh, logiquement, Gobert devrait prendre un banc. Mm. Mais par orgueil, la team ne va prendre, pas le faire. Puis c'est le même scénario qui est arrivé à Utah quand Donovan Mitchell a dit, ben yo, autre patiné, <laughs> 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 Ouais, moi, de mon côté, j'ai dit là, Hatman euh, doit faire du Dwayne Wade. Mais moi, pour, pour justement, pour revenir, Hatman, je pense qu'il devrait faire comme... Vous avez vu la game de Shai contre Dallas. Mm -hmm. Je pense qu'il devrait essayer d'involver plus la team, les laisser comme manage, comme pour rester dans la game. Puis quand ils sont durs, faire fin de la game, take over, puis score et tous les points. Parce que comme... Ils ont à... été chanceux, man. Je si sais que... avait marqué des points. On va aller là-dessus après là. Ouais. Si Kyrie avait marqué des points, puis Donc je avait arrêté de faire confiance à PG Washington, puis à Gafford. Il n'avait aucune chance que qu y revienne. Ce que là. je veux dire, c'est, dans fond, tu sais que Shaï il managé la game. Il avait un pays oui. sur la game. Tandis que quand t'as ant qui qui score comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les autres gars sont cool. Là. Comme tu l'as... Tu vas leur donner le ballon, ils vont, ils vont te voir un break ou un ball. Comme souvent, de temps en temps, tu les mets dans la game. Genre, ok, je je, je, je donne la balle, ils rentrent sur Bucket. Euh, ou que tu le fais à l'off-future line. Comme ça, tu sais que les gars sont involved. Et après ça, quand l'autre la équipe est un peu plus loose parce qu'il y a un autre gars que qui est en train de déranger, Endman, ouais, ouais. il sort le, le hammer et il smash. Tu comprends? Oui, c'est tout à fait d'accord, mais. Chez peut faire confiance à ces gars parce que. Euh... Parce que ils ont un, un proven record <laughs> qu'ils peuvent rentrer leurs trois puis ils peuvent manage. Je trouve que présentement, il y a seulement quatre qui l'ont prouvé. Mais News a eu une game. Mm -hmm. Mike Conley n'a jamais été qui qu'au vœu. Robert, je ne vais même pas en parler. Puis, Nazwid, il sort du bench. Donc, tu as vraiment 4 et Nazwid. Comparé à autant de deux, tu as William qui peut déranger. Tu as Orgham qui peut déranger. Quand Dorp et Guy rentrent leurs 3 points. Non, mais les gars, ils je ne pas bien. Ils ont, ils, ont, ils, ont ils, ils ont été chanceux oui. que Dantje et Kauy étaient focus sur une stratégie qui est donner le ballon au big man au baseline. Ouais. Ils étaient focus là-dessus la game. Ils ont été chanceux là. Ils ont été chanceux. Moi je dis si, si ils refont ça encore euh, prochaine game, Dantje et Kauy vont les hook. That's my take. C'est pour ça que je vous dis c'est pas ma meilleure idée selon moi dans l'argument. C'est pas ma meilleure idée selon moi. Moi je pense qu'il faut que même si qu'on veut ça from de get go All the way to the end, puis quand il est fatigué, t'espères que 4 rentre non. ses shots. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un partner. Il y a moins besoin d'un mmh, gars qui un vient jouer avec lui. Nazwid. Tout le monde a besoin d'un partner. Sorry, so, so the Goober, mais Nazwid. Okay. Okay. Moi, je pense qu'il y a juste besoin d'un gars. Okay. Puis, puis, même, il n'y a même pas besoin que le gars vienne scorer 20 points. Là. Juste un gars constant. Si, mm -hmm. si le gars, c'est juste les 3 points qu'il va faire, s'il rentre 6, 3 points, il est content. Oh, on est bon, oui. C'est tout. on reste si bon oui. 3 points, ça veut dire il a fini avec 18. Ouais, okay. parce que <laughs> il n'y a que... pas besoin d'un gars. Dans le Hero. C'est un threat. Que PJ Washington à uh, Dallas. Live. Il ouais. a pas le choix de, de, de le prendre au sérieux en défense parce que c'est un ah. threat. Là, ça ouvre l'espace à Adman. Là, c'est des easy buckets. I mean, anyway. Euh, Est-ce que, est que Jamal Murray peut garder le tempo Vas-y, Spenty. Jamal Murray fan. Go ahead. Je vois pas pourquoi il pourrait pas garder le tempo. On lui demande de marquer 20 points, faire minimum 7 assises mm -hmm. et avoir minimum 5 rebounds par game. C'est quelque chose que n'importe quel All-Star devrait faire. Il n'y oh euh, a pas de tempo à garder. Moi, je lui demande 30 points. <rire> 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 il est deux là. C est ah, comme, ouais. Moi, je veux Playoff Murray. C'est quoi ça? C'est une gros caca. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Regarde, accepte, accepte le title. Regarde, tu es, es le post-outre du Playoff Thing. Okay? Je ne sais pas pourquoi tu as peur de dire oui, Playoff Murray, c'est un thing. Euh, mais non, moi, j'expecte 30 points. Je me dis qu'il ne joue, il joue style pas bien. Mais c'est assez pour manage les games tu comprends parce que si si murray joue comme commence à bien si murray vient à 30 points tout d'un coup timber sont dans on problème oui Donc là je pense que vraiment parce que murray joue genre sub par en playoff que les Timberwolves sont vraiment in it. mais si murray était genre jusqu'en score 30 points à will I get, uh, on, on va se le fun. dire on va se le dire les match-ups que jamal murray a eu était off Dizer. À pas pour les Lakers, enfin, je, je m'en doute aussi. Parce que toi tu as dit Lakers les, tout, -tout le long. Trash, là. Ouais. Mais, oui, merci. Mais cette série-là, qui il est up against. Oui. C'est un tough matchup. Il guards super bien. C'est vrai. C'est juste ça que j'ai à dire. Ah, mais c'est pas la première fois que je joue contre eux. Si, Kazem. Écoute, à la fin de la game, vous avez vu Ant à bah ouais. TikTok Talk à, à Murray. Il a applaudi, il a dit, ouais, ouais, bravo, bravo. Exactement, <laughs> je pense qu'il va avoir un internal battle entre les deux. Et puis Murray va vouloir montrer c'est qui le alpha entre les deux. Donc il va comme hard. Il, il y a déjà un tempo, mais il va comme s'il si augmentait de notch pour remettre l'élève à sa place dans les deux prochaines games puis finir ça en 6. Regardez ma face, gars. Regardez ma face. Regardez ma face. On sait que Man est plus jeune que Jamal. Mais tous ceux qui regardent le basket sérieusement savent que Hitman est un meilleur joueur que Jamal. Tout le monde ici. Il n'y a pas personne qui essaie de dire le contraire. Si Jamal essaie vraiment de compete avec Edmund, c'est eh bien. Parce que tu vas foirer tes shots. Tu as les foirer. Ça va être du 6 en 27. C'est ça qui va arriver. Si Jamal est smack, I hope he doesn't go in the mind game. Puis il reste le champion qu'il est. Puis il reste focus avec son 20 points. Son en deux, en deux performance qui est bon là-dedans. Ici, il fait 12 en 20, tu fais quoi? <laughs> Mais saisis! <laughs> il, va, il, va, il, va, il, va il va refaire des excuses comme il a fait au début de l'épisode. Oui, oui, je suis encore. By the way, tu mm -hmm. t'es pas encore champion. I get it. Et des personnes. L'autre, l'autre est champion. Okay. L'autre a fait les clutch-shots pour gagner le chip à mmh. 3 MVP. Le MVP est dans son équipe trois fois. Ça ne fait pas dire de Yankee. Comment ça, le top du Coburn? Il est trash. Il est trash. It, it, it doesn't matter À la fin de la journée, quand tu as besoin d'une tough shot, mm -hmm. tu as besoin d'une clutch shot, qui yeah. you call Jamal Murray. All right. We'll see. I, I hope I hope he take all those shots. Parce que je sais ce qui s'est passé. On l'a tous vu. Il underperform. Vas-y. Rendons en jeu du petit jeune. Moi, je pense qu'il peut step up to ce challenge-là eh? pour une game ou deux. Maximum, c'est un bon lieu. Il y a pas peur. Il y, y, y a pas peur du moment. La, la raison, la façon qu'Anthony Bird n'y a pas peur du, mo du moment, il euh, n'y a, y a, mal ma main a pas, peur. À pas peur du moment. D'accord toi, mais ce qui va sauver, c'est Joker. Ça, il va sauver parce que pendant bon, le il va lancer toutes ses briques, 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 quelque chose de briques, briques, Joker va les garder dans la game. Là, après ça, il va faire Oh, j'ai bien joué parce qu'il va la donner à Joker. Je suis le mec, oh, j'étais bon. Non, Joker t'as sauvé les fesses. Ok, <laughs> je pense que le, le half court shot a donné un peu de confiance. Oui, oui, il est chaud. Il est, est chaud. C'est aujourd'hui, non ah, euh, c'est tantôt... Euh, euh, ouais. We'll see. We'll euh, 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 On a déjà parlé de la stratégie, c'est bon. Prédiction de la série, Kaza? Comme j'avais dit, Denver gagne les deux prochaines teams finissent en 6. Timberwolves en 7. Fenty? Euh, ma prédiction n'a pas changé. Parfait. La en 6. Oh. 7. Parfait. Nuggets 7. Denver? Ah, moi, ah, j'ai oui, toujours oui, oui, dit Nugget, aussi. c'est... Il y a ici. juste lui. Ah, à part moi. On m'a c'est m'a So, next game, Thunder vs. Mavs. On avait parlé un peu de ce qui se passait. Euh, Est-ce que cette série démontre euh, la jeunesse et le manque d'expérience des Thunder? Oh. Euh, oui. Moi, on parlait de ça, moi et Pispinti, ben, ben, on parlait de ça, En fait deux textes. Là. On s'est dit que les gars euh, paraîtraient soft. Il y a un gym qui doit se faire durant les années. Et la jeunesse, quand on se mettait dire, les gars sont jeunes. Euh, selon moi, euh, s'ils gagnent, je fais vraiment tour parce que moi je veux qu'ils gagnent, mais je ne serais pas surpris s'ils se font euh, bourriquer. Ils perdent en 7 aussi. C'est une possibilité. Mais ils doivent garder ce corps-là à tout prix. Ils doivent garder les gars ensemble parce que ça, ça, ça peut être une dynastie dans les années qui suivent. Penty? Euh. Je veux dire encore, les mavs ne sont pas encore proven avec euh, Danch Kyrie, mm -hmm. euh, même s'ils sont en train de step up en playoff et nous donner des grosses games. Euh, ok, si dans la contest, ain't gonna lie about it. Euh, très, très bonne jeune équipe. Ils vont être dangereux dans les années à venir. Mais comme j'ai dit au début, des playoffs euh, c'est la plus jeune équipe dans les playoffs. Euh, Puis ça va jouer un rôle à un dans les playoffs. Puis ça a l'air que ça commence à jouer un rôle. Lol. So euh, c'est vrai qu'ils sont jeunes, mais je ne veux pas dire que le fait qu'ils sont jeunes et euh, les handicaps, parce que c'est une équipe qui est vraiment jeune et immature. La façon qu'ils ont commencé la game, cette game d'hier, ils ont appris un bloc. Euh, Puis tu vois que c'est une équipe à, avec maturité qui est capable de rester dans la game malgré que. Chaque fois qu'ils sont revenus en dedans de, comme en dedans de 10. Les, les Mavs reprenaient un lead genre en 14, 17 et ils punchaient, ils redescendaient à chaque fois. Puis même moi, quand je regardais la game, j'étais comme Yo, il va falloir que Shai s'active, il a pris son temps, il a joué à son propre pace. Puis yo, éventuellement, je regarde, je, je vois, il reste 5 minutes, je vois, ils sont à 6 points. Je suis comme Ok, là, ils sont dans la game. Puis, comme il a, dit, quand il a vu qu'il était genre en donne de 7 points, il a dit Ok, là, guys, donnez-moi la balle. Euh, parce que j'ai vu le il a shooté, il était off, mais il a continué à shooter à 3 points, il a continué à être agressif. Euh, Chat à step up en prenant des rebonds ce qui apparaît pas vraiment en fait de, de la série comme les gars ont fait leur rôle comme ils ont, ils ont comme trust le process puis Chet a dit amenez-moi genre juste c'est là que tu vois il y a un veteran mindset il a dit je suis la star de l'équipe amenez-moi proche je vous ramène au finish line so, ça pour moi ça me dit que c'est malgré que ce jeune, sont jeunes c'est pas une équipe immature ah comme... oh, mais je disais, je disais pas qu'ils étaient immature j'étais juste... juste à money, ça va jouer un rôle ouais mais ça veut... juste pour répondre à la question moi j'aurais cru que qu'ils étaient jeunes, ils auraient pris dans cette situation-là. Ils ont pas pris là-dedans. Donc ça me donne encore plus confiance à eux qui peuvent vraiment push pour. Comme moi, je, je pense Dallas gagner la série. Maintenant, je me dis, moi j'étais sûr Dallas gagner la série. Maintenant, je suis comme, ok, s'il si peut gagner. Non, je suis comme, ok, s'il si peut gagner parce que ils ont, ils viennent de passer un premier challenge. Parce que l'autre série, ils ont rien vu de aucun, aucun contest, aucun struggle. Tout est beau, on se tout. Là, leur premier, là, ils ont, ils ont gagné leur première game. Ils ont perdu à home ils ont perdu encore là c'était 2-1 ici si ça donnait 3-1 tout le monde sait que la série est pour en finir. Et ils ont mal commencé la game, ils ont style gagné sur so Je pense que ils ça for real. Y yes, ça um, OK, si est une équipe jeune et puis on, on s'entend que la jeune avec la jeunesse vient euh, un peu d'immaturité, d'inexpérience, mais ça vient aussi avec le heart et le fait d'être hungry parce qu'ils n'ont pas encore gagné. Dallas, ils ont un champion en Kyrie Irving. Kyrie Irving il a été un champion hier. Pardon. Non. Il a champion hier. <laughs> C'est champion de finir la game. Bro. On a agree sur ça. Hier <laughs> c'était pas son meilleur moment. <laughs> Mais I I I exactement. Mais ok, si en même temps, euh, je pense que il y a un peu de nerv nervousness que Dallas a pas. Dallas ne pas. Ok, on a perdu une game. So what. On va vous reprendre les deux prochains. Donc, euh, ils sont juste inexpérimentés. Je pense qu'ils qu sont immatures. Les gars vont jamais abandonner, peu importe à quel point il y a un écart dans le match. Donc, shout out à la Young Team de OKC pour ça. Good. Euh, Est-ce que, selon toi, la Game 4, c'est quoi tes feelings Est-ce que Dallas a choke ou Thunder a prouvé, comme vous dites, qu'ils étaient matures, qu'ils jouaient à leur tempo, à leur pace Un peu des deux. Un peu des deux. Parce que Dallas a quand même contrôlé toute la game. C'est juste que a a jamais gave up et puis Dallas je sais pas ce qui s'est passé à la fin je pense qu'ils ont hold ou ils ont pas push assez puis tant deux a dit ok ben yo, vous vous, vous laissé revenir jusqu'à là on n'a pas fait tout ça pour rien on va gagner la game um, non moi Dallas ça choke euh, je là je me répète pour la troisième fois si vous avez ici mais je me répète euh, on focus sur la stratégie de donner le ballon à PJ Washington et à Gafford. Euh, carry qui est un champion aurait dû et qu'on veut le deuxième demi donc, Chich aurait dû t'écover. Non, il s'est trop focus sur le ballon aux deux bigs de l'équipe parce que les deux bigs ont détruit le first quarter, le, le, la première demi, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que là, c'était rendu que, à parce que PJ reste à trois points au baseline ou Gafford reste au baseline ou au poste, les gars prenaient le ballon puis ils forçaient, ils forçaient la shot. Ils allaient essayer de drive, puis ils manquaient les hops. Et c'est là que le Thunder a euh, t'écover. Moi, je pense que Dallas a choke. ce pas tant deux qui a pas Dallas aurait dû les massacrer si ah oui, Kyrie ou Dontchit avaient juste décidé de jouer leur basket. Euh, oh, mais Zogha, vas-y. Euh, Dallas, je, pense que, je suis d'accord avec toi, je pense qu'ils ont choqué cette game. Euh, malgré que OKC okay, a fait ce qu'ils avaient à faire, les gars ils ont manqué, je pense qu'ils ont fini avec 12 en 22 free throws. Euh, même quand tu avais la chance de tailler la game, euh, Dontchit manque le, 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 le premier free throw. Euh, les gars ont mal, Dontich a mal manage la game parce que c'est une, c'est une possession où tu dois prendre la lachotte. Tu peux voir pourquoi tu drives avec 10 secondes qui restent, puis là tu te fais foul, puis tu vas rater un futur. Mon, tu sais que t'es pas un si boosté futur shooter. Euh, Kari, c'est jamais, comme, mis dans la game. Euh, Kari, puis Doncic ils font pas de play l'un pour l'autre. Euh, comme tu vas voir, Kari fait plein d'assists mais c'est à tout le monde sauf Dontich Dontich fait plein d'assists c'est à tout le monde sauf Kari, genre. Comme les gars jouent pas, Off of each other, comme j'avais dit. Comme j'avais dit, s'ils font ça, ils sont durs à battre. Euh, si encore, Donchich, first half, Kyrie second half, et là, Kyrie ne joue pas second half. Euh, je vois euh, Tim Hardaway qui a le ballon. Kyrie lui demande le ballon et dit non, va-t'en. C'est quoi ça Kyrie s'en va, va pour de vrai. Oh, euh, Joey <laughs> so, Where are Je euh, pense cette game-là, je ne sais pas si c'est parce que le first half, PJ Washington. Uh, Jones, Gafford avaient tellement bien commencé. Ils se sont dit, on peut gagner cette game-là juste en laissant les role-players shine. Et les role-players, c'est des role-players. Tu ne peux pas compter sur eux all the way. Et aucun des deux gars n'a dit, OK, je suis une star, puis je vais finir la game. Oui. Vous avez tout dit. Euh, Carrie a fini 4 en 11. Sanchich a fini 6 en 20. Euh, 2 en 9, la 3 points. Euh, 12 en 23 de la free show. Ça, c'est l'équipe au total. Ah bah. euh, c'est beaucoup de points que tu viens de trop en the trash. Mm -hmm. euh, Puis tu, tu peux pas, surtout pas donner 19 shots à PJ Washington. Mon cher. 12 shots à Derrick Jones. Hey. C'est à Les comme, plus en plus que Kyrie. C'est fou là. Ça, ça, fait au, ça fait aucun sens. PJ Washington, je le donnais parce que c'est lui qui a, qui, qui a débloque la trois. team. Il débloque oui. la team avec oui. ses, ses, ses euh, Connor Débloque la team avec ses collègues. <laughs> Excuse-moi. <laughs> le chef va un move là. Et, et... <laughs> il va voilà, pas, <laughs> <vraiment> pas respecter. Il va pas respecter. Bon, bon, bon. Oui, petit euh, euh, Washington débloque la team. Tu peux continuer. Mais uh, uh, l'autre, um, Jones. Jones, mon chef. And away, il devra avoir plus de shots que Kyrie. Je pensais que Kyrie, il faisait ça parce qu'il savait qu'il allait attaquer au quatrième quart. Mm -hmm. Which he did uh, Je sais que les gars, ont un, un bon game plan. Que... Je sais pas encore pourquoi ils font ça. Ils double team Kyrie, genre. À la 3 points. Ils le laisse même pas rentrer dans le paint C'est juste que Donchich, il le laisse quand même aller one-on-one -on -one assez souvent contre euh, Dor. Je sais pas parce qu'ils disent que Dor est capable de rester. Puis ils veulent absolument pas que Kari. c'est vraiment qui qu'ils ont peur dans la oui. série. Genre. Ils veulent pas que Kari s'involve dans la série. Donc so, doit trouver une façon de dire I'm the man. Comme Je dois tu dois craser leur defense. Ne oui. so, euh, demande pas au role player de le faire pour toi. C'est à toi ou Donchich de figure là. Peux-tu dire combien de points, pour, pour, juste pour dire comment euh, les temps de deux ont été chanceux. <laughs> euh, les points de Lugens, d'or, et de tous les gars des, des les attempts. Les attempt C'est pas euh, grave, ils ont stick with it. Non, je, je, juste pour comprendre que les attentes, ça choque. Williams a 19, 5 en 19. D'or a 4 en 14. Euh, SGA a quand même 14 en 27. C'est 50%. 2 mm -hmm. euh, en 8, Guilly, 2 en 7, Wiggins. Euh, c'est tout. Hey, yeah. Voilà! C'est uh, crazy. Uh, uh, R.I.P. a n'importe qui qui a un bet sur cette vidéo. Non, TV. mais regarde, regarde. Oh, tu dis ça, tu dis ça, OK. Oui. Mais si tu vas à l'autre bord, Kari a, la a, a 9 points, Donchich a 18 points. C'est comme... Les deux n'ont Carrie... on Carrie... pas fait ce qu'ils devraient faire. C'est ça, Kari est ouais. un gars qui devrait avoir 25 points, 25 points puis Donchich est mm -hmm. un gars qui devrait faire 32 points. Mm -hmm. C'est vrai. C'est rien au même. Alright, uh, Next question. Bon, on a déjà parlé de Kari. Je ne vais pas répéter là-dessus. Mais avez toi, on t'a parlé sur Kyrie. Est-ce que tu trouves que il euh, y a manque d'énergie de sa part ou tu penses que c'est juste un break comme game, il va revenir C'est un flouc, un flouc. Un flouc. Playoff Kyrie s'en vient. Ouais, il y a deux games à neuf game points. Hein? Ouh. Ouais. Y a, manque, fait... de, manque de sens manque sense of urgency, mais ça va kick in. Ok. Prédiction. Quoi Dans la 6. 2 en 7. Le God? Euh, J'avais Dallas en 6. Hmm. Pas que Carrie vienne, mais je risque tout mon tout tout date. Puis comme bet, si vous croyez que Dallas gagne la série, vous êtes obligé de parier euh, Carrie average 25 points pour le reste de la série. On veut? Euh, On veut. Parce, là il y a 20 points là. J'ai regardé. Mais si vous pensez que Dallas gagne, Carrie est obligé de venir faire 25 points minimum. 20? Euh, je vais racheter une game je vais dire Dallas en 7 god damn encore toutes mes hops alright guys alright alright uh, last one uh, bah, la meilleure pour la fin mais là on regarde la pire pour la fin C'est ce <laughs> que je porte l'objet ici aujourd'hui uh, Certics vs Cavaliers uh, est-ce que les Cavaliers ont give up les Cavaliers ont give up est-ce que les Cavaliers ont give up contre les Certics ouais, 20 moi pour le reste je ne sais pas qui, qui a give up les Cavaliers n'ont pas give up je trouve que Boston joue au niveau de leur adversaire qui est vraiment trash euh, ils se rendent ils rendent leur game plus difficile que qu ce qu'elle devrait être ils devraient battre facilement les Cleveland Cavaliers par 15 every game euh, puis ils, ils sont juste en train de se tirer dans le pied tout le temps puis je comprends pas Terum pas capable de rentrer une three euh, quand il faut qu'ils rendent des shots importants ils rendent pas des shots c'est le Jalen Brown show live donc euh, l'équipe depuis que Passinguis est parti l'équipe euh, des de Celtics est un peu à l'envers euh, bon moi je pense les Cavaliers c'est GG David Mitchell est blessé il peut pas, il peut pas jouer la team a pas give up mais en même temps ils savaient que c'était pas mal dead ouais, ils ont donné un match-up au, ouais. aux Celtics mais ouais mais ça je, je le prends genre dans le sens que c'est comme dans la saison là, les gars perdent le, le meilleur joueur ne joue pas les gars se prennent ça par surprise on va gagner puis la team vient de donner un challenge ils ont juste l'ac. Mais ça, c'est les Celtics qui sont forts yeah. là-dedans. Ils sont forts là-dedans mmh, là mmh. dans l'ac. Euh, es, mais comme cette game-là, je veux dire, je ne suis pas fâché, fâché qu'ils ne gagnent pas par 15. Ouais, comme, ils ont lead quand même toute la game. Ouais, ils ont lead toute la game c'est la manière qu'ils vont... ils, ils ont jamais laissé vraiment revenir dans le match. Mmh. Tu as dominé le, le flow de la game. c'est Moi, c'est vraiment, tu perds à drone par 20 points. What the fuck is this? comme C'est ça mon problème avec eux. Je ne vais pas te demander d'avoir toujours le perfect of winning à chaque game comme la game d'hier ouais mais ouais. tu sais tu gagnes tu domines puis l'autre l'autre team était pas vraiment dans la game je suis correct avec ça euh, Tatum il a l'air de à part de la trois points il, il rentre comme 33, 33 points. Ça, il rentre une forme de game de 30 points Exactement. Il trouve des façons de marquer malgré qu'il bien trash mm -hmm. la trois points mm -hmm. euh, le, le gars à ce moment qui est, qui est go c'est Derek White <laughs> il est rentré dans la série la est 7 3 peu. points game let's go puis euh, maintenant il, il fait trois points dans la game <laughs> donc euh, là ouais. c'est c'est lui mais donc, les gars vont finir ça de, demain ils vont se préparer ils vont espérer que Don euh, revienne pour la prochaine team puis ça dis pas les Knicks Gaza Allez, <laughs> mais j'ai dit mais on a toutes les Knicks pour passer non non pas lui, pas lui. non je non non c'est pas, pas toi je pense ben, dans, dans notre vrai bracket, ouais. j'ai mis les l'épaisseuse. Ben, J'avais mis les sexuses Ouais, ouais, toi, t'es. Contre les Celtics. Ah, t'es. Dans le vrai bracket. Comme... Là, à, tout, à toutes les semaines, ils nous, ils nous redemandent des nouvelles prédictions. Là. On peut pas. Ouais, euh... ouais, ouais. Ben, ça, ça, comme ça. ouais. Moi, mon bracket, il, il s'en va quand même. Dans, G -G -G euh, es papiers, oh, ouais, il est quand même bon, il pas bien. À part pour ouais. les sexeuses. Ouais, moi, je pense qu'il aussi. Il, il... Moi, celui d'Arkey, va tu T'avais mis les légumes. Il s'est bien tu t'es prêt comme fait. T'es off-tuck. Super off Y'a mis, y'a mis les qu'est-ce que tu <laughs> Donc, ouais, c'est déjà un truc. <laughs> Il voulait montré l'autre jour à l'arnais, on était répugné par qu ce qu'on voyait là. <laughs> anyway, oui. euh... est-ce que les cavaliers ont given up Non, les cavaliers n'ont pas given up, mais en même temps, ils savent que Bosson ne joue pas à leur plein potentiel. Donc, je pense que mentalement, quand tu es un athlète professionnel, tu n'avoues jamais la défaite tant que tu es vraiment rendu à la défaite. Mais, euh, uphill battle, je pense que. Le hope commence à descendre là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais est-ce qu'on a vu Mitchell se blesser dans leur game? Il était déjà quand même injured même avant, avant dans les playoffs. Ok. Mais moi, d'un je... peu comme Jamal Murray. Ben c'est ça. C'est comme pour moi. Il était blessé, mais ils ont vu qu'il avait comme pas de hope, puis ils ont juste stayed out. Fini. Non moi je pense c'est une journée qui avait, okay, plus... hein? avait plus mal. Puis il a <laughs> dit, il a dit je vais pas te faire out. Ah, a so lui ouais. a give up. Lui a give up. Et c'est lui le meilleur joueur des cavaliers. Comment, non, c'est pas vrai. Et ils ont dit ça. Oui, je dis oui, c'est vrai, mais tu t'attends pas que les, les, les cavaliers. Non, non, mais, mais quand j'ai vu mes tier j'ai pas regardé la game. J'allais pas, pas game. regarder la game, anyways. Voilà, parce que pour moi, t'as give up. T'es le meilleur joueur. Au pire, il aurait pu venir jouer et il une caca game. mais les gens... voilà. <laughs> Non, mais <laughs> les gens auraient dit qu'il est et venu jouer et Là, c'est comme il a juste dit. Donc, cette série-là. Ah, cette série-là était pas regardée, était pas pariée, oh. pas touchée. Ah. Ouais. Euh, avant d'aller à la prochaine, est-ce qu'on ignore les performances des Certics Certics parce qu'ils jouent contre les équipes pourries. Parce que là, Taylor fait 33 points, personne n'en parle. John and Bond fait 25-28, personne n'en parle. Moi, ils jouent des games affreuses, qui jouent des Comme si les Certics, depuis qu'ils ont joué contre. Ils ont joué contre qui en premier Les. Euh, Miami, on ne parle pas des Celtics at all. On parle juste du West ou des Knicks. Où sont les Celtics, C'est oui trash, là. Comme... Oui, c'est ça, je te dis. So, Est-ce que on les ignore à cause de ça Moi, je veux dire, je réponds vite, vite, oui. Euh, puis je pense que euh, c'est à cause de ce motem-là que je pense que quand il va arriver contre les deux prochaines équipes, ils vont perdre. Menti, tu étais pressé à parler. Oui, 100%, parce que moi, je l'avais dit depuis le début des playoffs. Le premier défi des Celtics va être en Conference Final. C'est le premier défi et le seul défi que si les, les Celtics fell, <laughs> Joe Mazzulla is out, <laughs> Puis les Celtics sont ruins. Parce que ça fait beaucoup de fois qu'ils ont un easy path to the finals, mm -hmm. et un easy L à la fin. Euh, les gens parlent pas des Celtics parce que les gens ont de méga expectations. Et si les expectations ne sont pas match, ils sont comme, c'est trash. Euh, tu sais, Jadon ma... Tatum a 33 points, on le dit quand même parce qu'il est trash la 3 points. Jalen <laughs> 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 um, Brown va te faire 25 points, 11 rebonds, on va trash parce qu'il a fait 4 turnovers. Exactement. Um, tu sais, les gars, gars wing par 7-8, on, on trash parce qu'ils n'ont pas gagné par 15. Mais um, c'est ça l'expectation quand tu as fini premier. Tu as une team avec comme quatre, 5 former All-Stars ou All-Stars mm -hmm. présents. Puis tu um, t'es rendu en finale, conference final, comme ch chaque année depuis les 4 dernières années. Um, comme la, comme le l'Est et à, à, au Celtics à Vancouver, cover. Um, so ils peuvent pas chialer que tout le monde est comme ça avec eux. Parce que tout le monde veut qu'ils gagnent, que le monde dise ça. Um, 14 games. Voici l'écart entre les Celtics et les Knicks en rank premier et deuxième. Donc, quand tu es en top comme ça, it comes with the territory. C'est un faux gang conclusion que tu devais aller en conference finals. Mm -hmm. Donc, on n'en a rien à foutre du compte qui tu joues. Dans nos têtes, tu supposé gagner point final. On s'en reparlera en conference finals. Mais on the way to that, comme you. Ok fait 33 points ok tu <laughs> battu Miami tu as Exactement. Jimmy Butler. boo All right. <rire> <rire> Comprends? Euh, donc quand tu es bon quand tu es top comme si puis tu bats du for de team on va pas parler de toi tu vas pas être front page nous on sent <laughs> ouais. T'as pas d'adversaire de ta taille pour l'instant donc vous êtes irrelevant. cleveland cavaliers for real Oh, come on. Ah non, you're right. You're right. Ah, pour, le, pour le à, à, à part qu'ils ont perdu des games, ben, une, deux games à date. Ils average ils, ils gagnent environ par comme 13-14 points. Ils oui. oui. regardent leur average oui. margin Mais, mais ils, ils, ont, ils ont still perdu par 20 à home. À home. Exact, c'est ça le problème. Pour <laughs> <laughs> Il Miami, ils. Et contre Cleveland. C'est inacceptable. Tu ouais. n'avais pas Jimmy Butler en plus. plus. Ça, <laughs> dire, quand, quand Miami, je suis fâché parce que Miami, ils allaient éliminer l'année passée. Ils auraient dû les sweep. Ouais. Quand Cleveland, je savais qu'ils allaient perdre une game, non, malouette. Mais la fin, c'est quand ces gars-là prennent congé, ils prennent congé. Ok C'est pas, on a fait une mauvaise game, puis on est in it. C'est tellement une mentalité de perdant. Mais Que tu prends une journée de congé en play bro. C'est play-off. ta game, tu joues comme si tu jouais un ball, street shoot, parc. Oui, Parce que les gars jouent juste shoot de three. Shoot the three. Le 3 pas. Moi, je vois pas les Celtics. c'est une winning mentality. Vas-y, vas-y. Et aussi je vais blâmer le coaching comme Frank a dit comme si Joe Bazooka... <rire> Bazooka. <rire> quand je te respecte pas je vais pas d'autre ton vrai nom <laughs> Bazuka ça l'air nice toi si tu c'est je pas mauvais <laughs> je pense que si Odoka était encore le coach il aurait mis du dog dans les joueurs pour pas que ce genre de défaite là ouais. soit arrivé. Ouais. et mm -hmm. c'est ça qui manque au coach actuel euh, on va rester avec toi Kazam euh, vous pensez que les Celtics peuvent battre les Knicks ou Paceuses Paceuses, oui, Knicks, non. Ok. Euh, sincèrement, avec ce que je regarde, les deux teams, je pense, sont meilleurs que Parce que les deux manquent. <laughs> 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 C'est un gros maté ce que je dis là. Non, mon frère va durer d'une manière. <laughs> mon ok. <gars. rire> Parce que les Celtics, le fait qu'ils ont perdu contre Miami Heat me dit que tout est possible. Ils ont perdu contre Cleveland, tout est possible. Et deux équipes ont résolu les sweeps. battre une team 4 fois. Is a hard task. Battre les Celtics quatre fois is a very hard task. Est-ce que tu les fais confiance, les Celtics? Je vois juste une équipe. Est-ce que tu les fais confiance? Je vois juste une équipe être à 30% capable de le faire. C'est les Knicks. C'est les Knicks. Aussi, les Pessus battent les Knicks. Ils ont genre 10% de battre les Celtics. Ils ne vont pas battre les Celtics. Ok. Regardez. Moi, je dis ce que je vois. Je vois de la softness de la part des Celtics. T'as du caca les yeux, vos gars j'aime pas ce que je vois donc je vais aller avec mon tick. les Certix je te réalise c'est que les Knicks vont passer et les Knicks peuvent les battre en 7 bon mmh. ouais les Knicks peuvent les battre en 7 les Certix en 4 dans tes chiens 7 et je m'attendais à ça de heures parce que c'est un Knicks fan c'est ouais. un Ok, mais au moins, il a dit les PCS ont aucune chose. Toi, t'as as rajouté les PCS <laughs> Parce que je respecte pas les Celtics. Regarde, regarde. Ils m'ont donné deux, quelqu'un ne rien. C'est pas grave, je suis le premier à 10 In. les Celtics. Mm -hmm. Ça, c'est vrai. Ils seront au final quand même. Ils, ils vont. Si c'est les PCS, ils mobent de Floria avec les PCS. Parce que t'as okay. pas à venir jouer une série sans jouer défense contre les Celtics. Okay, c'est pas possible. Et Nix oui, les Knicks sont bons, mais les Knicks, ils ont pas leur full squad. Ok Ils ont pas leur full squad. Ils sortent des séries. Yo, la, ils rendent la, la série est plus difficile qu'ils pensaient qu'elle allait déjà à la base. T'es déjà en train de struggle contre les pesseuses. là, t'es en train de me dire, tu vas venir keep up avec. Tatum Brown. Ce que les Celtics font là, là, les gars jouent trash. Ou trash. Ils jouent pas à, au pic. au pic du niveau. Les niveaux que tu expectes, justement. On au 110, 100, 120. Tu regardes les stats. Imagine tout de coup, ça clique. Tout d'un coup, euh, Tatum revient. Il commence à rentrer à, à 4, 5, 3 points par game. T'as raison, ils vont les smack. Mais c'est pas le cas de, dans les deux séries. Non, non mais a... ce que je veux dire, si tu regardes les séries, okay, mm -hmm. si tu regardes Tatum, regarde toutes ces games. Là, tu vois qu'il va, il train up. Oui. Comme faut. C'est vrai. Ça n'a ça pas l'air bon parce que c'est pas efficient. Non, mais vrai. le moment que ça devient efficient. C'est dead. T'as raison, raison là-dessus. Moi, je me base sur ce que je vois. Et ce que je vois du caca. On, on a okay. tous un gras. Non non non, 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 du... non, 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 non. On a pas dit ça à la partie. Celtics joue bien. Okay. Celtics joue bien. non, non. Merci. Non, non, ils ne non, jouent pas non, bien. Pas ils voient pas du caca. C'est ça, ils voient pas du caca. C'est ça. Tu as des Toi, tu penses que les Celtics doivent gagner chaque game Par 20 points. Exactement. C'est tu que tout le monde, la société, gagne le basket de Satan. Non, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste Même en saison, ils ne gagnent pas par de points. Au moins 15, au moins 20. Au ils moins... l'ont fait Ils l'ont fait. Non, ils ont perdu par 20. Ils, ils ont perdu par 20, 20, ils ont aussi <laughs> gagné par 20. Quand, toutes les games, les, à part la game qu'ils ont perdu contre Miami, ils ont toutes gagné au moins par 14. Okay. Euh, Puis ça, c'est la première game qu'ils perdent, qu gagnent par en bas de double digits. C'est comme, si t'es fâché parce qu'ils gagnent pas par plus que 15. d'accord. Ça veut dire, même en étant pas sérieux, même en étant déçu à de eux, ils sont still en train de handle business C'est juste que quand. Okay. Il prend le day off. Puis moi, c'est ça l'affaire. Je pense pas que dans l'Est, il y a aucune équipe. Parce que je me rappelle que j'avais dit que l'Est c'était trash. Mm -hmm. Je pense pas qu'il y a une équipe qui peut compete avec les Celtics Exactement. for Real. Mais les Certics peuvent pas prendre des days off contre les équipes dans l'Ouest, par exemple. Une okay. équipe dans l'Ouest, eux, tu prends des days off, yo, ils vont te gagner deux games, là. Ça, c'est différent. Mais dans l'Est, pour moi, c'est final or bust. Il n'y a pas de, même contre les Knicks, yo, j'y vais avec en 6. C'est bon. Allez, je m'excuse. I'm sorry. Même 5, tiens. I'm sorry. j'ai donné 30% de chance aux Knicks. contre au Je vous écoute. Je vais écouter là-dessus. Je ne vais pas me débattre. Je m'excuse. Vous avez raison. Mais tu veux dire Knicks, pas Papayus. Il a dit. Il a répondu à la question. Tu rien à dire sur ce qu'il vient de dire. Qu'ils vont battre tes Knicks en. Ok, on parle des Knicks là. Là, je ne pas la question. Oui, Knicks contre Boston, si tu vois ça arriver. Oh non, non, non. Moi, je ne suis pas un Oui, 2 fan. Les Knicks ou les NBA Finals. Ok. Donc, je pense que les Knicks vont gagner en 6 contre Boston. Et vous, je vous ai rajouté euh, pour la NBA. Non, alright, on va passer à la NFL. Just one Go One thing. <laughs> Juste une chose, NFL, Monday Night Football a été annoncé. Jets versus 49ers. Hype or not? Mais oh God, je sais commencer. c'est. Yo, savais je... même passé de la <rire> première game. <laughs> J'avais même pas passé <laughs> la première game. Euh, euh, Playoffs. off I guess, Follinaneuse, vont rouler les Jets. Je suppose. Euh, je pas regardé euh, les, les, les teams. Il faut que je fasse mon petit dossier que je fais chaque année, mes mm -hmm. et tout. Mais je ne suis pas encore en point pour le football. Mais mm -hmm. j'ai vu les schedules sont sortis. Euh, maintenant, comme les drafts sont passés, le free agency est passé. Là, on sait c'est quoi les teams. Là. Le, football, le, le football est bientôt back. Thank euh, Je suis encore loin pour parler de opening day de uh, the NFL. C'est encore... la première game de la saison C'est encore très loin. Le premier Monday Night, non hein? ouais. J'ai vu Chief quand uh, Chief commence à contre Ravens. pour exactement. Okay. Okay. Exactement. Mais, ah, mais... pas hype, sans savoir que c'est. Non. Ça... Bah, Je suis hype juste parce que j's... on a attendu un an pour voir Aaron Rodgers jouer. Il joue pas euh, au fucking MetLife Stadium. Ou à San Francisco, peut-être il va pas tousser un Kelly Peut-être <laughs> il va pas tousser Moi, je suis plus hype <laughs> pour le Ravens Kansas City. Non, moi, je suis hype okay. de voir Rodgers avec les Jets. Il va avoir une grosse offense. On va voir, on va voir comment il va jouer. Ok. Moi, euh, répondre, ça va vite. Je sais, vous vu, je vois un Jersey ici. On va en parler tantôt après, à la fin, euh, dans ce qui se passe. Mais moi, je suis hype. Euh, euh, hype pour voir les Jets. Je veux voir enfin Rodgers jouer avec l'équipe des Jets. Je veux enfin voir une game de gars jouer. 3 secondes sur le terrain, so je suis comme une hype. Une des meilleures défensives de la ligue. Je pense qu'ils en ont fait exprès. Of course, je fait exprès. Meilleure défensive contre, supposément, one of the best offensives avec le QB Aaron Rodgers. Ils so ont fait exprès, je suis comme hype. C'est ça? Euh, je suis indifférent par rapport à cette nouvelle. Parfait. Euh, <laughs> on n'est pas encore ready. Euh, CFR, rien. Champions League, euh, rien. les games s'en vient la semaine prochaine. Non, c'est dans. Euh, les finales euh, sont les Quand toutes les ligues sont finies. Oh my Genre, goodness. fin juin. Ok, okay. So on a non. Fame, fame ok, donc on va like, en a un petit bout. Fais-moi. Ok. Donc voilà, un petit récap. Euh, là, les gens, les gens pensent à moi, ils si Laurent prend un stress. »« Les Hurricanes <laughs> <laughs> sont revenus. » dit ça. Ils ne m'observent, ils ne me calculent. Je, 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 calcule. je vais vous dire, les gars, que je ne suis pas stressé. Je hein? suis stressé. Yeah. Non, non, non. Les joueurs prennent le break. Ils devraient être... C'est 3 2 on gagne la prochaine. s'il si y a un sport que tu peux revenir de 3-0, c'est le hockey. C'est le, le hockey pour vous. Okay. Ça n'arrive pas à l'NBA. Dans tous les, à les autres sports, I've never seen it. Le hockey, c'est casual. ok? Casual. Ok, guys, I'm not stress. Rangers va gagner la prochaine. Après, le, le, la discussion. The game 7. Là, c'est game 6. Game 6. Ok, mais parce que pour toi, vrai, j'ai vrai, vraiment peur pour toi. Vous allez en 7. Effectivement. Mmh. La prochaine game est à Hurricane, non Hurricane, ah, ouais. Euh,

4 buts après. Ouais, 4 buts, vous avez plus qu'on Ok, Là, maintenant, c'est 3-2. Là, les gars, c'est comme shit. We can't do nothing right. So, bon, moi, j'avais dire « Hurricane, gang, là. Parce que ça arrive, Patrice Moi, c'est ma deuxième team, les Hurricanes. Ça a tout le temps été ma deuxième team. Je pense que, je pense, dans mon back j'avais Hurricane contre Peteus Conference Final. Je que j'aille checker. Pour mon bucket, c'est bon. Mais non, moi j'ai peur pour tes Rangers. Ah, mon boy, c'était Cam, Cam Ward, mon gars. Puis euh, j'ai oublié. Brin d'amour. Brin d'amour. Oui, c'est Back in the day, quand ils ont, ont gagné. Rob, Rob, Rob ils ont gagné la coupe, ah, mais ça. C'était sale. Non, mais euh, moi, j'ai peur pour toi, mon gars. Ça, c'était moi, Nikki. T'es sûr j'ai Hurricane Panthers? En, en finale de l'Est? Ouais. Moi, j'avais les Panthers en finale. En... Ah, ouais. j'ai pu... Hurricane, Hurricane, Hurricane Panthers. Panthers, Panthers ouais. Bon, uh, uh, Star Avalanche, toi, ça se passe bien. Ouais. On vous menait. Il y avait une game hier, me semble. Ouais, ils ont joué hier puis ils ont gagné. C'est 3-1 les Stars. Euh, très bon. Bah, je pense aussi de la nouvelle de. Je ne suis pas capable de dire son nom. là. Le gars qui s'est fait suspendre. Oh J'ai oublié. Euh, j'ai oublié son nom. Moi aussi, j'ai oublié. Nichuskin, quelque chose Nich, comme ça. Nichuskin, ouais. ouais. Ça, ça aidé à l'a aidé à la situation pour eux autres. Ben, je trouve que genre c'est le genre des affaires qui arrivent en play que, que il en play them them. Mm -hmm. le gars il est suspendu six mois puis il doit devoir faire se faire euh, c'est comme c'est des choses des distractions hors du du hockey que comme qui aide pas les équipes puis je pense la dernière game euh, parce que la game était à colorado euh, oui ouais, je pense cette game là parce que dallas déjà juste comme dominé hein. euh, je pense c'est des affaires qui comme écrasent le, la team euh, maintenant je pense que je pense que Dallas devrait finir ça à la prochaine game at euh, home at home Comme easy busy OK. and Canucks vs Oilers euh, il, joue, il joue à soir euh, contre Edmonton euh, je sais pas si McDavid va jouer après que s'est fait crack euh, la dernière game euh, sûrement il va jouer c'est vrai il va y manquer une coupe de dents là. je sais pas je vais te le montrer après là tu vas voir mon gars il s'est fait on s'est cross check d'en face oh. okay, ok il y a quelqu'un qui se fait péter oh. qui couvert aujourd'hui alors euh... <laughs> moi ça va bien Canucks win les Canucks win moi je suis up 3-1 je suis comme Nikki. puis euh, je suis content que les Bruins se font éliminer aussi je suis content que les Bruins ont éliminé Toronto puis là je suis content que les Bruins se font éliminer oh. par les Panthers alright euh, avez-vous tout à rajouter pour aujourd'hui en tant que fan des Canadiens en, de en tant que fan des, des Canadiens, Canadiens ouais. Juste à rajouter pour aujourd'hui? Euh, juste montrer les... Euh... Je vais vous montrer un seulement. Hein? OK, pas on va pas garder pas... le deuxième secret. Exactement. Moi, oh, s'il l'a vu. <laughs> ils pas vu, pas, ils pas, ils pas, ils pas okay, vu, il pas vu. OK, so... Guys, um, uh, pour tous nos fans qui nous écoutent, on va faire tirer un chandail. de Steph, Thick, 3D, Golden State, Clean, Brand New, Brand New. Restez, euh, restez, ben, restez aux, 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 à l'affût de nos prochains, prochains posts. On va faire des posts, euh, le classique, sûrement, like, share euh, et uh, follow. Donc, avec deux personnes. De personnes yeah, on va faire le classique, sûrement, sur so rester à l'affût. On va en discuter avec notre social media manager. <laughs> puis on va, <laughs> on va voir ce qu'on fait sur so rester à l'affût, guys. Et sur ce, that was it for the podcast for today. Merci mm -hmm. de nous écouter. Like, share, subscribe. And see you next week.